T'as pas honte? Tu pars comme ça, tu reviens pas, tu disparais? Pas de nouvelles là pendant 8 mois, tu crois que t'es quoi? Tu crois que t'es chez toi ici? Bien ou quoi? On se check quand même, on se check, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, je suis de retour. Je vais pas commencer à vous trouver des excuses. Ouais, en fait, je suis pas bien dans ma peau. On s'en tape, frère, fais des vidéos, c'est tout ce qu'on te demande. Donc, c'est ce que je vais faire. J'exécute. On a quand même une relation toxique. J'apparais, après je disparais longtemps. En plus, j'ai reçu tous vos messages sur les réseaux sociaux. C'est quand tu reviens sur YouTube, c'est quand tu postes une nouvelle vidéo. Merci en tout cas de m'attendre. Merci en tout cas d'en demander encore et encore. Malgré ces longs mois d'absence, je suis là, je suis de retour. Et là, on s'est dit pourquoi pas venir avec un petit concept sympathique où vraiment je me transforme en Ryan pendant 24 heures et lui, il vit ma vie pendant 24 heures. Le train de vie de Ryan et le mien, deux mondes différents. Franchement, ça va être marrant. Bon, je vous laisse avec la vidéo, j'arrête de parler. Allez, à toutes. Ah ouais. Putain, il est 9h déjà. Bon, on va se motiver. Allez, on y va. Là. Ah ouais, il fait chauffer lui avec cette balle. Arrête le forceur. C'est une dinguerie comment il dort longtemps. Moi, normalement, à 8h, je suis debout. Il est 14h, sa journée, elle commence que à 14h. C'est grâce mat tous les jours, le cam. C'est une dinguerie. J'ai attendu exprès, hein, juste pour être vraiment dans sa peau, du début à la fin. Guetta, il dort avec quoi? Non, franchement. Il a quel âge, s'il vous plaît? Il a quel âge? Wesh, maître Yoda. Par contre, vous savez, les gars, il dort sur un clic-clac. Que je vous explique. Là, il y a une séparation. C'est un clic-clac à la base. Il veut pas acheter de lit, frère. Achète un lit, comme ça tu dors bien, ton dos, tout bien. Non, lui, il dort sur son clic-clac, tout éclaté, tout pété. C'est qui ça? Merci. Bonjour. Oh, il y a Greg. Ah ouais, il m'a douillé celui-là, il prend dans Koh-Lanta, il me sort des papiers comme ça. Merci madame. Bonne journée. Au revoir. Cher Ryan, bienvenue dans la vie de Fadel, au programme 9h rendez-vous de la cuisine pour le petit déjeuner. Bon, il y a quoi à déjeuner quoi au petit déjeuner? Il y a quoi à manger? Flocon d'avoine ainsi que le fromage blanc, ça doit le réfrigérateur. Oh, wesh. Voilà, son frigo, l'équipe, c'est la sgame, y'a rien dedans! Y'a une boîte de thon, 200 sucrés qui se battent en bataille, un pot de moutarde, un verre vide. Ah ouais, c'est vrai, l'équipe, la vie d'influenceur, c'est bien, mais son frigo, c'est la sgame. Hein. Équipe, coupe tout, hein. Moi, c'est ça mange pas. Moi, le matin, je prends pas ça. Ah ouais, khalota, jalota. Bismillah. C'est éteint, c'est dur à mâcher. Puis je commence comme tout, j'ai rien à voir avec ça. Dernière fois, footing dans les bois pour bien commencer la journée. Ah ouais, non mais lui, c'est un délire. C'est-à-dire que tu tapes ça, juste après ça, tu dois aller courir. Moi, je fais ça. Premier virage dans le bois de Vincennes, paf, je tombe par terre, je vomis tout. Voilà, ça c'est plus dans ma gamme, ça c'est plus dans ma gamme. Tu connais Gazouz le matin, bien. Voilà, ça je prends. Ouais, tu connais, c'est un peu gazeux, on a du chops. Alhamdoulilah. Là, on est bien. C'est une dinguerie de sortir de ta chambre à 15h. Ah oui. Parce que normalement, il met 30 minutes avant de sortir de sa chambre. C'est qui a sonné là? Ah, il date cet appart, hein. Moi, je vis plus ici. Ah, un petit rappel au cas où tu fais des péchés en sortant. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Bah, au revoir. Bonne journée. Trop bizarre. Cher Fadel, bienvenue dans la vie de Ryan. Au programme, ah ouais, un programme, tout, avec le planning, tout ça. C'est carré, hein. Réveil tout doux. Ah bah là, c'est plus un réveil tout doux, là, ça. Et il a tout tué en termes de réveil. Il se douche, puis s'habille pour commencer sa journée. Bah écoutez, c'est parti. Petite douche finie, bien. Lui, il se douche tous les matins, Ryan, fais attention. Ah ouais. Vraiment, ça se voit, c'est pas lui qui paye la facture d'eau. Il s'habille, petit passage ensuite à l'épicerie, puis au tabac, récupère un café, il se pose, et prend des pipasses. J'ai trouvé un petit truc. Bah vas-y, je vais m'habiller. Je m'habille et je reprends tout de suite. Vas-y, sors, frère, tu veux que rester avec moi dans la chambre? Wesh, c'est... Y'a quoi, on a pas dû montrer tout, frérot? Je vais m'habiller, là. Vas-y, sors. Il a un doulé. C'est tout ce que j'ai trouvé à ma taille. Guettez le maillot de l'Algérie. Bon, le maillot, j'avoue, il est beau. C'est vrai que je m'habille pas comme ça, de base, en journée. Et le petit jogging, là, normalement, là, tout sauté, là, le cycliste, là. Moi, je m'habille pas comme ça. Et la casquette. Allô, la casquette. J'avais pas un mec qui fait des ballons sur les champs, samedi soir? Juste ça qui me rend fier, tu connais. Deux étoiles, Algérie. On peut pas chipoter. C'est un vrai délire, hein. Zarma, là, je dois aller courir avec ses vêtements. Oh, je guette le kawé. Guette mon ventre. Je rentre même pas dans ses vêtements, je suis trop serré. Je vous préviens. Wallah, commencez même pas à rigoler, j'ai pas de cardio, moi. Je vais faire, tu connais, 10 minutes de sport après on rentre. Vas-y, viens. Salut, ça. C'est des claquettes pour aller jeter la poubelle. Tu mets des claquettes comme ça.
Écoutez, c'est pour être dans, sur tes appuis. Il faut jamais marcher avec les claquettes comme ça. Faut courir ou sautiller. On va mettre ses chaussures, hein. Il a qu'une paire lui, de toute façon. Une paire par an. Là, on est sur du ASICS. Franchement. Franchement, elle est bien. Parce qu'avant, c'était pas celle-là. Si je vous montre la paire qu'il a saignée pendant un an, c'est quoi, je vais vous montrer. Regardez la paire de Yeezy. Voilà, mais MDR. Il l'a tellement saigné cette paire. Je suis jamais habillé comme ça de ma vie. C'est pas bon. Franchement, là, là. En plus, jogging serré en bas avec la paire, c'est pas du tout moi, ça. Non, franchement, c'est une dinguerie. T'es pas mon ventre, je rentre même pas dans ces vêtements tellement j'ai pris du cash. Ça fait longtemps que j'ai pas couru, je sais même pas pour recommencer. Vas-y, on va courir par là. C'est là du cardio. Il t'a hack. T'es moi, c'est mollet. Les gros doigts, il fait du kayak le week-end. Voilà, je crois que je suis fatigué. Ouais, c'est bon, coupe tout. Attends, je ralentis, voilà, je suis fatigué. Là, c'est de la marche rapide, c'est pour récupérer. Ouais, c'est quoi, tu vas me suivre jusqu'à où? Je me pose un peu, voilà. Coupe tout, rentre, voilà. Je cours pas. Lui, il court des 1h30, 2h, sans problème. Ouais, c'est mort, je cours plus, voilà. Coupe tout, c'est une mauvaise idée, ça. Fallait l'enlever du programme, ça, le jogging. Allez, c'est parti. On est bien là, hey. Ils vont me voir en bas, ils vont me serrer, les gars du quartier. Ils disent, wesh, il lui arrive quoi? Il va m'écraser ou quoi? Là, petit passage en boîte aux lettres. Je vous parie combien? Vas-y, venez, on parie. Combien je vous parie, il y a des amendes dans la boîte aux lettres? Lui, c'est une dinguerie avec les amendes. Non, on va ouvrir. Il se met. Voilà. Je vous ai dit. Avis de contravention, une observation par conducteur, véhicule de l'arrêt, amende 135, 375 s'il paye pas avant le 11 mars. Eh, il vient de perdre 4 points, que des trucs comme ça. Il fait hella dans Paris, il stationne n'importe où, il fait ce gars, il grille des feux rouges. Non mais lui il est pas concentré. Je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5. Attends, en plus il m'a dit quoi? Il m'a dit il faut faire sauter les amendes, non? C'est quoi, on va appeler un pote à lui, on va lui faire sauter. Eh, hey, c'est une dinguerie les gars. Moi le matin je check mes mails. Vas-y, fais ce gars, lui on peut même pas filmer. Le matin je check mes mails, lui il check quoi? Ses amendes. Dinguerie. On va appeler son gars, on va lui faire sauter. Il a un pote à lui, il lui fait sauter toutes ses amendes. Je sais même pas si ça marche ça. Eh, hey, faites pas ça hein. Tenez-vous à carreau sur la route, vous aurez même pas besoin de faire sauter des amendes, voilà. Quand je l'appelle. Bon voilà, après le footing, une bonne douche. Voilà, là on est bien. Bon, c'est quoi ça encore? L'outfit est derrière la porte et n'hésitez pas à montrer l'outfit en story. Plus checking mail. Ok. On y va. Là, ils se sont tapés avec l'air sur moi là. C'est quoi cette tenue de mollet là? Wesh, moi je me suis jamais habillé comme ça de ma vie moi. Là vous auriez pu faire un effort, hein. La vérité là vous auriez pu faire un effort, je sais pas, un petit truc Nike, bien tout. Wesh, c'est quoi ce gros manteau de grand-père là? Wesh, c'est quoi cette casquette délavée? Isabelle Marant, Zama c'est un comique lui, il la met après, il fait rire les gens. Bon bah l'équipe, je vais vous présenter l'outfit hein. Casquette Isabelle Marant, manteau t'as la guerre mondiale, c'est une artillerie lourde, il fait 30 kilos, je l'ai porté, mes épaules sont tombées. Celui-là, si t'es pas un minimum costaud, t'as pas un peu d'épaule, coupe tout. Hein. Regardez le pantalon l'équipe qui m'a donné. Voilà, l'équipe, regardez le pantalon, s'il vous plaît. Moi, je mets pas ça, moi. J'ai jamais mis ça de ma vie. Hein. La classique, la paire pour aller jouer au five. Voilà, il m'a donné une paire, t'as les fiver. Je vais aller me balader comme as dans Paris. Les gens vont relâcher sur moi, ils vont dire c'est qui l'a eu. Si tu mets un bel, il fait n'importe quoi. Allô? Ouais, mon gars. Ouais. Salam, tu vas bien? Bien, toi? Ouais, c'est Ryan. Eh, hey, tu peux me faire sauter des amendes, frérot? T'es sérieux, là? Ouais, pourquoi? T'as pété un câble ou quoi, toi? Mais comment ça, frère? Eh, y'a 7 amendes que tu dois me payer, frérot, tu joues à quoi? T'inquiète, je te jure, je vais te les payer, je vais te les payer. Fais-moi juste sauter juste celle-ci, je les envoie, et comme ça, c'est réglé. Mais t'es sérieux, là? Bon, hey, tu sais quoi, je te rappelle. Ça me met dans des salades, moi j'ai rien à voir là-dedans. Lui, il a des problèmes avec toute la France, je comprends pas en fait. T'as des amendes, en plus, tu les fais sauter, et après, en plus, tu les payes pas. Ça veut dire que t'es amendé de partout. C'est une dinguerie. Viens, je vais prendre mon kahwat. Viens. Bon, consultez la boîte mail. Voilà, il me fait le chef de projet ici, là, oui, ça va consulter la boîte mail. Je l'ai jamais vu faire ça. Ça m'a consulté la boîte mail. C'est la boîte mail. Je connais même pas MacBook, moi je sais même pas comment s'intituler ça. Comment débrouiller la session? Ouais, dis Siri. Ah, y a pas sur MacBook. Bon, il a reçu quoi comme mail? Uniqlo, Balmain, tout. Ok. Ouais, demande. Ah, c'est bon. J'ai consulté. Ok, je vais répondre. Moi. Ensuite, midi, rendez-vous chez Webedia pour hebdomadaire avec mon TM. Validation OP, discussion projet. C'est quoi TM? C'est quoi OP?
Ah ouais, il a tout été bon. Vas-y, venez avec moi, machin, des jobs. Voilà l'équipe, mon outfit du jour. Petite casquette Isabelle Marron, Apple Watch, base. Bon, petite pochette Céline. Je sais même pas, tu peux faire rentrer quoi dedans. Sa pochette toute sautée là. Bon, la veste, j'ai pas la marque. T-shirt Uniqlo. La paire pour tirer des coups francs five, comme ça, comme ça. Paf, tu mets que des coups francs, ça rentre. Il m'a donné un pantalon, l'équipe, regarde comme il est large. Guettez, flotte dedans. Donc voilà, l'outfit of the day, c'est ça. Et voilà l'équipe, gros bisous, ciao. Petit Capri Sun, lui commence sa journée avec le petit Capri Sun. Il a 5 ans ce mec. Et des pipasses. Prendre des pipasses, c'est quoi? Je sais pas, il fait quoi avec des pipasses dès le matin lui aussi? Chef, c'est ça les pipasses? D'ailleurs. Pipasses au ketchup. Tiens chef, c'est combien? 1€. 1€? Tiens, merci chef. Fais quoi après? Capri Sun. Voilà, ça fait des années que je bois du Capri Sun. Moi je bois des trucs comme ça chimiques. Des pipasses ketchup. Il aime trop le ketchup, rien. De toute façon, même lui, hein. Ren, tu te rappelles quand t'étais petite, tu disais mes pieds sentaient le ketchup? T'es une grosse bête. Moi mes pieds sentent le ketchup, c'est pour ça que t'aimes bien les pipasses au ketchup. Je vais passer au tabac là. Je dois faire quoi au tabac déjà? Ah ouais, je dois prendre un café. Là, je vais prendre un café noisette. Je sais même pas c'est quoi. C'est un espresso? Ah, voilà, je suis perdu. Donc c'est ici qu'ils font du grattage et qu'ils jouent au PMU? J'ai jamais compris le PMU, jamais. Voilà, le café il est rassin, c'est dingue. Là-bas, tu bois ça, là, t'es détendu. Éteins, mets du sucre parce que voilà, c'est imbuvable. Bon, ça m'a d'heure, c'est éclaté au sol. Frère, y'a rien, on est tout serré, fait sombre, y'a que des petits vieux qui te regardent comme ça. Éteins, vas-y, viens, style. Ah ouais, frère. Nature sans sucre, inintéressant, aucun goût. Vas-y, viens, on se taille. Il fait quoi après? Il se pose, c'est ça? Il se pose un peu en bas, il gémet, il rigole un peu avec les gens. C'est ça sa routine. Après, il va bosser. Ça m'a tous les matins, je me réveille comme ça. Mais je deviens fou. Bon, l'équipe, on y va. Bon, on s'équipe du badge Smile parce que dans les bureaux de Smile, il faut badger partout. Faire classer IA là-bas. Allez, on y va. Bon, on se dépêche, l'Uber, il est en bas. Vas-y, vous allez me suivre, on va aller chez Webedia. Je connais Zama, j'ai un shooting, j'ai des colis à récupérer et tout. La vie d'artiste. Je sais même pas par où c'est. Là, je fais n'importe quoi. Voilà. Je te lave les mains, tu connais, je viens de l'extérieur. Il y a plus. J'ai tout whippé, non, il y en a plus. Venez, bienvenue dans les bureaux de Webedia. Je vais découvrir. Voilà, c'est le lifestyle. C'est la pause. Lifestyle. Ici, je regarde, tu connais, ils sont en coworking, ils font des réunions, tout ça. Bonjour. Ah ouais, coupe tout. J'ai dit bonjour, personne n'a répondu. C'est bon, je crois que je vais quitter. Hein. C'est bon, quitte. Venez, tu connais, dans le bureau c'était froid, coupe tout, y'a personne. Moi là, j'ai un point hebdomadaire à faire avec mon TM. C'est quoi TM? Ah, c'est là, oui, il est fan de Michou. Viens, venez, je vous montre le fan de Michou. Comment tu vas? Tranquillement, la femme, ça va? Ouais. T'es prêt parce qu'on se voit après, je crois. Ouais, on a un point hebdomadaire à faire avec mon TM. C'est toi mon TM? Ouais. Mais ça veut dire quoi TM? Talent manager. Ah, ok, Idaha qui fait des blagues. Vas-y, c'est par où qu'on y va? Alors attends, j'ai bouqué une salle normalement là. Ah, ici? Beverly Hills. Vas-y, rock, on va à Beverly Hills. On fait quoi maintenant? Là, en vrai, il a pris son petit déj, il s'est posé un peu. Il a track Shuya, il s'est posé, il a glandé un peu. Maintenant, c'est quoi? Il va aller bosser. Putain, là, j'ai renversé. Ça va allumer l'application Uber, ça va aller bosser. Hein. C'est quoi? Je vais être chauffeur pour la première fois de ma vie. Bon, l'équipe, là, la journée va commencer. Enfin, je sais même plus si c'est une journée ou une soirée. On va commencer à allumer l'application et ça a bougé, hein. Ça a chopé 2-3 courses. Là, j'ai jamais été chauffeur de ma vie. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur les projets en cours, sur le prochain épisode de Je t'ai pas dit, ouais. Et sur la collab avec Intersport. Parce que tu vas courir le marathon de Paris. Ah, c'est prévu ça? Ouais, ça c'est prévu ça. Ah, c'est, ils l'ont pas dit ça. Le marathon de Paris, début avril, j'espère que t'es prêt, c'est 40 km. Combien? 40 km. Ah bah coupe tout, je suis pas là. Du coup, en vrai, le but, c'était de voir un peu tout ce qu'on avait à faire sur les prochaines semaines. Donc, tout d'abord, Intersport, voir où on en est, combien de stories t'as posté déjà. Faudra voir aussi où t'en es au niveau des stats. Qu'est-ce qu'il raconte, Léo? Je t'ai pas dit, programmer le prochain épisode. Vas-y, ouais, continue. Ouais, je t'ai pas dit, programmer le prochain épisode. Après, il y aura la story annonce. Et YouTube brainstorming pour voir ce qu'on fait sur les prochaines semaines à venir. Ah, il y a trop de trucs. Le tournage JD Sport de demain, 20h, hein, tu seras là, c'est bon. Ah, tu fais quoi là? Je prends des notes de ce que tu me dis. Mais Freud, tu notes sur une enveloppe là. Non, mais ça, je vais t'envoyer un récap, ça, par mail.
Ah ok. T'inquiète, focus. Ah, j'ai pas besoin de noter. Non, non, t'inquiète, focus-toi sur ce que je te dis. Ah, je savais pas, c'est pas désolé. T'es bon, t'inquiète, t'inquiète. Pourquoi pas l'équipe? Tranquillement. Tu vas bien? Ça va. On a avancé un peu sur le sur les stories de. Intersport? Ouais. Ouais, bah juste là, faut qu'il m'envoie ses stats là. Ouais, je vais l'envoyer les stats après. Mais fais-le tout de suite, frérot, t'as le téléphone juste là, viens, on gagne du temps. Parce qu'à chaque fois, moi, on veut faire lancer par les premiers sous, etc. On me dit ouais, les trucs. Et nous, on a c'est là. Jérémy, le câble HDMI, on va pouvoir diffuser un peu les. Une vidéo ah, YouTube qui doit sortir. J'ai plus de batterie. T'as plus de batterie? Ouais. Ah. J'envoie après. Hein? J'envoie après. Vas-y, on voit après. Hein. Ok. Et ensuite, on passe à la présentation du concept, forcément. Donc, avec tout le détail de comment le concept qui se formule, de quoi tu vas traiter. À la fois des créateurs, à la fois de marques, à la fois de produits communiques. Bien sûr, bien sûr. Comme là, l'épisode de la cravate que t'as déjà sorti. Bon, alors, comment elle marche cette appli? Je crois là, ça veut dire que t'avais fait 0€. Et là, t'appuies go, ça lance une course. Ah ouais, ça va, là, je suis en ligne, ça y est. Wesh, il est que stressé, le mec, derrière. Il me fout la haine. Rien, il aime trop mettre Tiff. J'avoue, Tiff, bête d'artiste, hein. Ah ouais, il a mis des rallies comme ça, direct. T'imagines, tu mets ça dans les clients? Les clients, ils sont choc barre. Bah, c'est quoi, là? Y a pas de course? Moi, je comprends rien. Eh, c'est une dinguerie, par contre. VTC sur Paris. Phobie. Il y a des bouchons de partout. Aller, retour. Ah, c'est mieux, tu prends le métro, Get. Rapide, fluide. Ça sert à rien, là. Get. Insupportable. T'avances de 5 cm par minute. Je viens de commencer, j'ai même pas encore pris un client. Je suis déjà KO. Depuis tout à l'heure, je baille. Allô? Ouais, Tana, ça va? Non, non, Tana, je reviens au quartier tout à l'heure. Là, laisse tomber, j'ai un shooting photo, j'ai pas compris. Je suis habillé dans un style bizarre, mon frère. Vaut mieux me... Eh, vaut... C'est mieux, tu me vois pas. Tana, j'ai un pantalon, j'ai des chaussures de five, j'ai un manteau, il fait 30 kilos. Ah, laisse tomber, coupe tout, coupe tout. Ah ouais, non, les journées comme ça, c'est Zgenga Benga, laisse tomber. Vas-y, Tana, je te rappelle, il y a le talent manager, il est arrivé là, il a Khan Mahas, c'est pour moi, là, il m'attend pour aller en shooting. Vas-y, vas-y, à tout à l'heure, vas-y. Quoi, c'est maintenant, on y va? C'est let's go? Ah ouais, t'as marre. Le doulet, tu veux que je fasse des photos, toi? Là, on va faire un shooting. C'est bon, t'es prêt? Ouais, oh, depuis je t'attends. Ça va? Vas-y, on va commencer le shoot là. Ah ouais, c'est maintenant? Ouais, direct, tu t'es changé? Non, je vais me changer là. Vas-y, vas-y. C'est à droite? Ouais, direct. Ok. Vous avez soif? Vous voulez prendre une petite sucrerie avant le shooting? Guettez, guettez. T'as un Fortnite, la petite truc. Normalement, je monte dessus, je fais des shootings dessus. Wesh! La course, elle me passe sous le nez. Oh la dinguerie! Course à 19€. En fait, c'est quoi? Craig, si t'es pas assez réactif, il y a un autre chauffeur, il va prendre la course à ta place. C'est une dinguerie. Mais wesh, comment il a fait aussi vite? Je viens à peine de voir la course, ça me dit quoi? Le chauffeur, il a déjà pris la course à ta place. Ils ont des bottes ou quoi? Ouais, en fait, j'ai capté, les chauffeurs, ils sont comme ça devant leur téléphone, ils ont bien la dalle. Hein. Ah ouais, non, c'est technique en fait ce métier. Hein. Franchement, c'est technique. Vas-y, tu sais quoi, on va aller à l'aéroport, c'est mieux pour nous. 17,91 Zama de Crimée jusqu'à dans le 12ème. Ouais, si, si, ouais. Je vais tracer à l'aéroport, c'est mieux pour moi. C'est quoi ces courses sautées là, à ce prix là? Bien pas cher, hein, bien gratuit. Pour toute cette galère là. Pour toute cette galère. À un prix aussi bas. Non, non, c'est pas rentable. Bon, là je make-up, vas-y rentre avec moi, je vais montrer mes tenues. Bon voilà. Bah là je l'ai préparé, tu connais, ils m'ont respecté, j'ai pas fait n'importe quoi. Bon, cette chemise coupe tout. Ah, par contre là ils ont tout hippie, hein. Ils m'ont donné le pull, t'as les hippies. Ah ouais, des vraies tenues, t'as les Beatles. Ça c'est des tenues, t'as les Beatles. Hein. Ce manteau, il me fout le seum, le manteau, t'as Macklemore. Il m'a mis le manteau, t'as Macklemore. Ouais, que ça, ça passe un peu. Oh, c'est quoi cette paire? Ah ouais, non, coupe tout, je mets pas ça. Hein. Cette paire en mode pied de mouton. Ah ouais, coupe tout. Guettez la paire, l'équipe. Regardez, même les chaussettes, c'était moi, mes pieds, mes orteils sont séparés. On dirait un kepch. Comment ça se met, ça? Bon, l'équipe. Voilà l'outfit, t'as le shooting. Vas-y, venez. Je déteste cette station essence. Station essence, Saint-Denis, je peux pas. Trop de gens, y'a tous les camionneurs de Paname. Allez, c'est sa carte bleue. On va voir si elle passe. Il est Zginga Benga, ouais. Il a rien. Bonjour, chef. Je veux mettre du sympo 95. 80€, je pense que ça suffit. C'est passé? Mais dis pas que c'est passé. Hein? 24 centimes. Ah, il y a 24 centimes? Ouais. Dans la carte, il y a 24 centimes. Ouais. Ah ouais, ouais, je lui aussi, il me laisse des cartes bleues, il n'y a même pas d'argent dedans. Ah, il a déconné là. Donc je peux rien mettre alors? 24 centimes. Je peux mettre 24 centimes. Ouais, bah allez, je vais cracher dans le réservoir, c'est mieux. Tmesrarbiya, il se fout de ma gueule. Il me dit ouais, il me donne une carte, il me dit va mettre de l'essence, y'a rien dans la carte, je me tape la honte, ça me regarde bizarre, coupe tout, on y va. Vous savez pas là-bas, il y a les studios à Michou, normalement on va tout, on fait des vidéos avec lui, on d'arrière avec lui, tout. Ouais, Michou. Ah, coupe tout, ce sera le faire un tournage, coupe tout.
On prend le tabouret. Non, non, on s'assoit sur le tabouret. Ah, on s'assoit. Ok. Voilà. Merci. Hop, top, on enlève les pouces, on met pas à barbet. Hop, fashion. Yes, yes, yes. Pas plus droit le dos. Ah, ok. Les jambes, voilà. Ah, comme ça? Voilà, okay. Voilà. Et tu joues un peu avec tes mains. Allez. Voilà, tu fais comme. Non, non. Ah, c'est pas non, comme ça? Fashion. Ah, ok. Descends avec. Très bien, voilà. On ne finit pas. Good energy, good energy. Voilà, on donne tout. Bras. Ah, c'est bon, tu m'adores, tu parles trop. Voilà, tais-toi. Voilà. Bah écoute, je vais rouler en R. Hein. Je crois que je peux rouler quoi 20 km. Bah écoute, je vais lui épuiser sa mère. C'est bon, on a fini le shooting. Laisse tomber comment c'était chiant. Récupérer colis. Ah ouais, en fait, cette journée, elle se finit pas en fait. Y a qu'une liste de trucs à faire. Vas-y, venons récupérer les colis à Ponstyle. On venait avec moi l'équipe là, je dois chercher mon talent manager là, il doit me donner des colis. Ouais, t'es là. Ah, il est là. Ouais, j'avais ça pour toi en plus, je dois enchaîner sur une réunion. T'as un bon. Tu fais quoi toi? Tu bouges là? Ouais, c'est bon, j'y vais. Vas-y, parfait. On se capte dans la semaine, on se capte un peu plus tard. Vas-y, au plaisir. Vas-y, bien vu. Passe-le, bonjour à Michou. Je vais à l'aéroport, je vais essayer de choper des clients là-bas, étant donné qu'il n'y en a pas sur Paris. Je vais faire bien la dalle. Ils prennent toutes les courses, ça me vole des courses carrément. Ticket dépose minute, c'est là, c'est bon. D'habitude, on dépose. C'est pas moi qui vais chercher les gens. On a 10 minutes pour récupérer un client, vas-y go. Chariot, comme ça le client il arrive, bim. Tout est prêt, tout est ready. Aïe aïe. On prend un petit neigeux ou quoi. Quelqu'un qui vient de vacances, bronzé, tout ça, tout ça. Taxi. Taxi. Chef, taxi c'est bon? Il veut pas. Pourquoi ils font les timides? Bon, normalement là il y a un vol de Marrakech, Tunis. Là c'est sûr je peux péter un petit neigeux, tu connais. Je l'emmène sur Paname ou je sais pas moi, en banlieue. Tu connais, petite course à 80€. C'est de gratter, tu connais? Ouais mon gars, ça va ou quoi? C'est comment, ça se passe? Ah, ouais. Sortez avec les petites boucles d'or. C'est, hein. Mec, faut... c'est comment, ça va Marrakech là? Ouais. Ah t'es un bon, Donc, comment tu sais? Frérot, t'inquiète même pas, ça se voit frère. Ouais. T'es beau gosse, Inch'Allah. Eh, c'est quoi? T'inquiète même pas, moi je suis taxi, je t'emmène où tu veux. Ouais. Je vais à Paris là. Hein? Je vais à Paris, c'est combien? Ouais, vas-y direct. Combien? Bah frère, je te fais à 90. Ouais, t'as pété un plomb toi. Non mais t'as bien, j'ai des bouteilles d'eau tout. Bouteilles d'eau de quoi? J'ai pas soif. Vas-y, mais non, 90€, t'as pété un câble ou quoi? Mais t'as pas 90€. C'est 30€ sur l'application. 70, on y va. Non, c'est mort, c'est 30€ sur l'appli. Vas-y, 50€ pour toi, mon frère. 50€. C'est quoi? J'ai pas d'espèces, frérot, ça sert à rien. T'inquiète même pas, frère. J'ai le TPE, j'ai tout ce qu'il faut. Tu peux payer par carte. Comment ça, t'as un TPE? Carte, Paylib, PayPal, comme tu veux, frère. Depuis quand vous avez des TPE? T'inquiète pas, t'inquiète, on est. Vas-y, laisse-moi tranquille. Ouais, t'es cher lourd, frérot. Voilà, laisse-moi tranquille, frérot. Il y a les boyeurs, c'est la police des VTC. Ryan, il m'a dit fais attention à eux parce que eux aussi, voir un collage interdit et die. Là, on a un unboxing à faire de mes colis. Donc voilà, là, on a une boîte Air Couture Balmain. Ok, donc c'est des produits de beauté. On va avoir un gel coiffant, un après-shampoing, une cire. Et là, on a quoi? On a un gel coiffant aussi. Ok, donc ça, c'est pour se coiffer. Ah ouais, là, on a une magnifique boîte. Asics Kenzo, c'est un partenariat. Ah ouais, je suis choqué. Ah ouais, je suis choc. Ah ouais, coupe tout. Hein. La paire d'Asics couleur carnaval là, t'as ça au polo, coupe tout. Hein. Ah ouais, non. Je veux bien, mais là, non, c'est trop. Je vais jamais porter ça. Mais c'est quoi, Zama, je suis venu jusqu'ici, je vais repartir avec personne. Voilà, je suis pas un Algérien, je pars pas avec le client, frère. C'est quoi? Attends. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Excuse-moi, what? Comment ça, what? Ah, viens, je suis taxi, vas-y, viens avec moi. Viens, t'inquiète, je t'emmène. English. Non, English, t'inquiète. Yes, I speak English very English very well. Yalla. No worry. No, thank you. I will take it with me and you. Come. Ouais. Il a pas capté, voilà, on va l'emmener jusqu'à Paname. Where you want to go? Tell me. I'm here, I'm a taxi, I'm for you. Only for you. I go to Paris. Paris, okay, let's go. Who say coucou to the camera? Say coucou. Okay, yalla. Let's go, we're going to Paris. Allez, say bye-bye. Ah, ça, c'est ça. Léna, je suis à sauce, je suis à melch. Un peu de sauce, tu connais, un peu de sel. Ok, bah vas-y. Ça, il m'a dit quoi? Il m'a dit prends le plateau, tu manges dans la voiture. Vas-y, je prends le plateau et on va. T'as bien en vrai. Hein. Il se met bien quand même. Il a même pas besoin de faire de collab. Il va, il bosse un peu et il prend le sandwich gratuit. Voilà, elle est belle. En fait, c'est bien, hein, la vie de Ryan. Voilà, c'est une dinguerie. Bismillah. J'ai toute ma vie, j'ai jamais mangé comme ça. Ah. Sans lui changer rien, frère. Ouais, donc Zama, il finit ses rendez-vous, passage Monop, récupérer sa salade préférée au quinoa chez Monoprix.
moi 5 œufs, je prends une assiette, tout bien, blé, taf, un peu de viande, fromage, tout bien. Algérienne mayo. Là, j'en peux plus. La vérité, j'en peux plus. Depuis ce matin, je suis là, je tourne, je dépose des clients, ils font chier. Ah non, c'est pas pour moi ce taf. Ah, il aime bien se poser ici après le taf. Qu'est-ce qu'il fume déjà? Il a écrit dans le programme, non? Il y a Love, Hawaii, mais à mort, mode normal, Blue Eyes. Bah vas-y, Hawaii. Avec plaisir. Vas-y, Hawaii. Bienvenue. C'est quoi ça, Zaba? Il finit le taf, il vient, il fume ça. Fume tes clopes. T'as l'habitude de fumer des clopes. Qu'est-ce que tu viens fumer ça en plus? Ça m'adore carrément. Ah ouais, non. Pff, la fume partout, t'as mal à la tête, t'as envie de vomir. Je sais pas, je dois payer combien? Sa carte elle passe pas. Il faut que j'essaie de lever ski, parce qu'il crie me guette depuis tout à l'heure. Ça va, t'as que fait bien, ça a été bien? Ouais, c'était bien, c'était bien. Eh hey, frérot, j'ai reçu une course là. Ouais. J'ai une course Uber. Ouais. Mon téléphone il arrête pas de sonner. Je vais faire la course et je reviens. Franchement, je suis désolé, t'as fait ça combien de fois? Faut payer tout de suite, je suis désolé. Ah, rien, il a déjà fait ça? Ah, ouais. T'inquiète, j'arrive tout de suite. Non, bouge non, pas, non, bouge pas, frérot. Non, bouge pas. Vas-y, viens, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. Vas-y, Hé, arrête! Oh là, t'es pas où là? J'ai mangé un bol de granola ce matin. Là, je suis quinoa. Je suis un oiseau en fait, moi j'ai capté. Rimer celle-là, hein, celle-là. Salade de bol, quinoa et lentilles, carottes, betteraves et sésame. Vous avez moi je vais manger ça. Ça mangeait vraiment pas. Voilà, la vérité, ça faut pas lui dire. Hein. Mais comme toi, je prends des petits California au thon. Pas harag histoire de tu connais. Moi tu connais, je ramarre un peu le ventre parce que sinon c'est mort. Quelle journée. Bon là on a fini de manger. Qu'est-ce que je dois faire là? Je dois encore prendre des clients. Voilà, j'ai une flemme atroce les gars. Là j'en peux plus. J'en peux plus de ce boulot. Bon, le Uber il est arrivé, là je dois aller où? Direction Café Kitsune pour prendre un latte matcha avant de rejoindre sa styliste pour stopper 2-3 nouvelles pièces à avoir. C'est quoi ces journées qui se finissent pas, Tana? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Wesh l'équipe, je viens de recevoir une course là. 63 euros pour aller à Draveil, en espèces en plus. Là, je suis renta max. Attends, le client, il va arriver. J'espère juste qu'il va pas me faire mal à la tête. Le client, il arrive. Non, monsieur, c'est derrière. Bonsoir. Monsieur. Ça va, merci. Bon voilà, mes colis sont là, tu connais, on va taper. Excusez-moi, ça vous dérange pas, je mange hein, dans la voiture. Ok, merci, c'est gentil. Tu connais. Ouais, d'habitude, l'équipe, c'est moi, je conduis les gens là, c'est moi, je me fais conduire. Guetté, l'équipe. Même en garde à vue, tu manges pas ça. Hein. C'est ça la vie d'influenceur. Ah, le beau à l'influence. Je vais taper des sushis, c'est mieux parce que là, je te m'en passe. Salade, bol, quinoa, coupe tout. J'ai rien à voir avec ça. Voilà, California au thon. Voilà, ça c'est mieux. Et là j'aime bien comme ça, c'est comme ça que j'aime bien moi. Travail, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et la cigarette là, vous m'avez enfumé? Non, je sais pas, excuse-moi, attends, tu sais quoi, attends, regarde. C'est quoi ça? Damien, attends, je la mets à la fenêtre comme ça, excuse-moi. Ton trajet va être long, je suis désolé. T'inquiète, ça va passer vite. Café Kitsune, c'est ça Café Kitsune? Ça va? Ah, salut, ça va? Ouais, let's go, j'ai un peu en retard, on va prendre un petit café. Ah mais j'ai regardé les prix, c'est bien cher. Viens, on voit le tabac à côté là-bas. Non, on est dans Paris 1er là. Ah ok, d'accord. Du coup, tu prends quoi, matcha? Ah mais j'ai une question. Matcha, comme c'est quoi matcha? Ah ouais, matcha. C'est quoi matcha? J'ai capté en fait, hein. Il va que dans des endroits où les gens autour ils foutent le seum. Là, moi, c'est pas ma DA, hein, comme il dit. C'est pas ma DA, ça, moi. Les gens ils sont là, ils regardent comme un, hein, ces trucs. Tout le monde est habillé avec des pièces, Zama, de luxe, tout ça, de mode, tout. Je suis pas à l'aise, moi. Partez les Under Armour, paf, jogging, à l'aise, tout bien. Vite le texte. J'ai des colis, tout. Elle a préparé, c'est bon. Ouais, c'est un pas délire, ils ont même fait un petit cœur. Même son cœur, il est maouj. Chef, tu vois la grille en face là? Ok. Arrête-toi là, c'est bon. Ça marche, c'était loin, hein? Waouh! Ouais, quand même. Ah ouais, franchement. C'est pas la porte d'à côté. Ouais, c'est vraiment pas la porte d'à côté. Bah, c'est t'as un bon, ça fait 63 euros. En espèces. 63 piles? Ouais, 63 piles. J'explique le problème du jour. On doit aller essayer quelques pièces chez The Frankie Shop. Ok, mais juste un truc. Toi. Dernière fois Café Kitsune, hein. C'est vraiment, c'était éclaté. Même il y a pas trop de monde. C'est ce que tu prends d'habitude. Trop serré, non. Non, c'est pas bon. Je connais même pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas tout moche. Allez, on a pas le temps là. Mais c'est pas bon du tout. Tiens, donne-le à Frankie Shop. Donne-lui, tu lui donnes à Frankie. Donne-lui, je prends pas ça moi. C'est ça, Frankie Shop? Ouais, c'est ça. Donc okay. Là, j'explique. Ouais. J'ai 2-3 pièces à te montrer. Ok. Faut absolument que t'achètes. Allez, viens. Allez, ok. Je vais préparer les 3 trenches là. Pour que t'aimes les essayer, je te les mets. Oh, mais pose ça, je vais pas rentrer dans les trenches. Bon, allez, viens essayer. Je te les pose en cabine.
Tadam. Elle est bien sûr. Ah, celui-là, on le prend. Ah non, 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 non. On va opter pour autre chose, là, c'est une catastrophe. Mais attends, je l'ai même pas attaché. Attends, toi, je l'attache. Projecteur gadget. Attends, je l'attache. Non, 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 non. On va essayer autre chose, là. T'aimes pas? Non, j'aime pas. Pas la morpho, ça va. Rien ne va, là. En fait, j'ai capté, en fait. Ça... Même lui, il est chez tout, en fait. C'est Armand, il y a une styliste qui lui dit comment s'habiller. Ça va pas. Voilà, coupe tout. Moi, je m'habille comme je veux. Je crois que tu vas me dire, Armand, t'as pas déjà m'a dit quoi? La morphologie, c'est pas bon, je sais pas quoi. Parce que t'as pas un délire, Armand, c'est dire quoi? J'ai pas d'épaule carrée. De toute façon, t'avais. En vrai de vrai, j'aime même pas. Dans tous les cas, même moi, je l'aurais pas porté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, tu vas où? Jure, il est parti comme ça, il a pas payé? Ah, carrément, je suis une bouffonne, moi. Tu pars et tu payes pas. Oh, je suis choqué là. Non, attends, là, vraiment, je suis choqué là. Non, c'est une dinguerie. Mais il est parti où? Ah, celle-là, elle est bien, celle-là. Tu fais un nouveau style? Qu'est-ce que t'as à l'envers? Pas du tout. En fait, y'a rien de vide à toi. Franchement. Ah ouais? Non. Là, je vais perdre un peu de poids là. Pourquoi? Elle est pas bien? Ouais, ça va même pas autant. Mais je me sentais bien dedans moi. Bon, on va enlever ça. Non, je suis. Non, voilà. Non, c'est bon. Oh, ouais. Comment ça sonne cette styliste? Là, elle est là, elle fait que de me dire, ouais, je sais pas quoi, ça te va pas. Sa grosse tête, frère. Ah, t'es belle, hein. Elle croit trop, elle a du style. Sa longue veste, sa longue tête là. Ça va, ça a été? Ouais, merci beaucoup. Non, mais on repassera, merci. Ouais, allez, on repassera, bonne journée. Merci. C'est moi, je suis bête. En plus, Ryan, il m'avait dit, prends pas les courses en espèces. Putain, c'est vrai, il m'a dit, les courses en espèces, les prends pas. Moi, j'ai pris en espèces, j'ai le TPE, j'ai tout. Pourquoi j'ai pris en espèces, je sais pas. J'ai ni espèces, ni TPE. Coupe, c'est bon. Fin de la vidéo. Bon, frère, coupe, ça y est, y'a plus de vidéo. J'ai trop la rage là, vraiment. Là, je suis trop énervé. Moi, du coup, c'est fini. Ah, voilà. C'est fini? Ouais. Y'a plus de stylistes? Je t'appelle demain. Mon arrêt, j'ai un dîner, je t'appelle demain. Ah, tu m'appelles demain? Ok. De toute façon, le café Kétiné, l'activité c'était Kex. Frankie Shop, y'a rien qui me va. Moi, cette villa elle est pas faite pour moi. Voilà. J'y retourne en métro, c'est par où le métro? C'est là-bas. Bon, l'équipe, là on va aller grailler. En plus, tu connais, c'est une collab, ça veut dire que tu connais, je sors pas d'argent. Mais la journée que j'ai passée à ma lessiver, donc là je vais aller manger un petit peu et vas-y. Après, coupe tôt, je dors encore. Allez, on y va. Bon, voilà, là aujourd'hui l'équipe on est Eat Chicken. Ça, c'est le seul moment de la journée où voilà, je kiffe un peu. T'as capté, je suis là, je savoure un peu. Toute la journée elle était épuisante, ça veut dire coupe tout. Là au moins tu connais, t'as, vas-y, on se pose tranquille, chill, vas-y viens. Donc voilà, moi je prends le plan. Bon, l'équipe, aujourd'hui on se trouve chez Eat Chicken. On est là, petite dégustation, sympa toi, je regardais. Voilà, j'ai pris un petit wrap tenders avec des chew wings, petite frite. Coca chéri, il est posé ici, voilà. Et voilà l'équipe, allez, bon appétit, ciao. Et voilà, là tu connais, on va se la couler. Bismillah, on y va, c'est parti. Ouais, l'équipe, tu connais. Ça, c'est des journées trop productives. Ça fatigue l'être humain, ça. Tu te lèves, tu douches, sport, tu reviens, rendez-vous là, essayage ça. Ah ouais, coupe tout. Ça, c'est pour que tu rentres chez toi en pièces détachées. Fin de journée pour moi, je dépose ses affaires chez lui. Et ciao, je veux plus rien entendre. Il est quelle heure là? Il est 3h du mat, je suis éclaté. Boy, 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 boy.